passé à Presqu'île de bien négocier ce ballon, mais mal envoyé. Oh cette fois, l'Africa qui va contrôler. Oh L'Africa, il ne pourra pas frapper parce qu'il y a un pied déjà de l'équipe de la Chine. C'est à 13 000, l'Africa. But de l'Africa Sport d'Abidjan. But de l'Africa Sport d'Abidjan. Eh oui, il a essayé. En tout cas, il a résisté à plusieurs reprises. Parce que la balle est encore là. L'Africa pour le deuxième but. Pour le deuxième but. Deuxième but de la tête. Un but signé Diago Ange Pacom. Eh bien, les joueurs de la JCA Trècheville s'attendaient à une position de hors-jeu. Tout le monde s'est arrêté. Mais comme la balle ne peut pas s'arrêter, eh bien, elle est partie. L'arbitre va demander à l'action de se poursuivre. L'Africa qui va contrôler. Il y a le joueur qui est toujours au sol. Il va envoyer ce ballon. Pas du tout, il va s'infiltrer. L'Africa Sport pour le troisième but. Pour le troisième but. L'Africa Sport qui se balade dans cette défense de la JCA Trècheville. L'Africa Sport avec Biya Thomas Renardo qui va inscrire le troisième but, mais son deuxième but dans ce match. Porté. Voici comment il a amené toute l'équipe à se tromper et offrir ce troisième but. C'est le capitaine qui a compris qu'il fallait travailler tout doucement. Il y avait même un pénalty. Si la balle n'arrivait pas jusqu'à ce joueur,